Joe, ça te rappelle quelques souvenirs tout ça là? Ah ouais, ça me rappelle ma jeunesse, hein. Tout dans le temps, on représente le gang, Black Dragon Gang, tu vois, toujours au P, à mon âge, avec la petite barbichette blanche, t'as vu? On a un Tupac. Ouais, toujours là. Toujours là avec les enfants. Tout à fait, on voit. Le cadre des champions, c'est important. C'est les futurs champions, vraiment. C'est la transmission, c'est les champions, il y a des vrais champions ici. Tout à fait. C'est un grand champion de Côte d'Ivoire. Ouais. Voilà. Il est là. Ça, c'est important, il est de ton pays. Lui, il est ivoirien. Voilà. Donc, comment tu les prépares, toi, psychologiquement, alors, tous ces jeunes, un peu, là, Joe? Bah, écoute, moi, c'est un mix. C'est un mix de l'ancienne école, c'est-à-dire un entraînement très dur martial, avec un mix au niveau ludique, pédagogique. C'est-à-dire qu'un peu de jeu, hein, comme les enfants. On a mélangé les enfants parce que les enfants sont spontanés, sont instinctifs. Tu vois, c'est pour ça que c'est important pour les adultes de voir les capacités des enfants. Comment les enfants, ils se lâchent. Tu vois, ça leur donne une idée. Parce que quand on grandit, on a trop d'a priori. Donc on crée des nœuds dans notre corps, dans notre esprit. Ça fait qu'on a des complexes, on a du mal à se lâcher. Quand tu vois les enfants ce qu'ils font, eh ben, tu te dis, bon, je vais faire comme les enfants. Et là tu acquis vachement plus de choses en peu de temps. Tout à fait. On a vu au début, tu étais en train de les préparer. C'était quelle préparation au début, ça, alors, en fait? Bon, ça fait déjà 2 heures qu'on s'entraîne. Au début, je les ai mis en jambes. Ouais. Donc, on a travaillé les steps, la rapidité. Tu as vu, au football, les professionnels, ils font ça. C'est les bases. Dans tous les sports, c'est les bases. Tout à fait. Tu vois, donc, c'est adapté aussi à notre style, notre art. Tu vois, nous, on va vite avec les jambes. On boxe avec les jambes. On est des aigles, on est des papillons, on va vite, comme tu vois, on vole. Donc du coup, il faut conditionner les jambes à aller vite. Maintenant, là, on va maintenant faire la mise en situation. D'accord? Mise en situation. Et après, eh ben, on va échanger en combat pour voir qu'est-ce que ça fait, la leçon, pour voir si la leçon a été acquise. Voilà, donc t'as vu, moi j'ai des champions, des petits champions, c'est tous des mineurs ici. Et est-ce qu'on voit, on peut remarquer aussi, c'est qu'il y a pas mal aussi des jeunes filles qui sont là. Hein. C'est pas vraiment. Le taekwondo, c'est pas un sport d'homme, quoi. Vraiment, c'est un art martial. L'art martial est pour tout le monde. Hein? Pour tout âge, enfant, adulte, troisième âge, quatrième âge. Jeunes filles, tu as vu comment elles sont rapides, les filles. Tu as vu la volonté qu'elles ont. Tu vois, des fois même elles ont plus de volonté que les jeunes. Elles mettent KO des hommes, hein. Ah, mais bien sûr. La vitesse d'exécution, si c'est bien fait, c'est bien pratiqué, c'est plus une question de sexe. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est une question d'individu. Tu vois, on peut faire 10 millions des arts martiaux. Si on le fait mal, eh ben on est mauvais. Si on le fait bien, on est meilleur. On ne peut qu'être meilleur. Même dans une défaite, on est meilleur. On va te laisser repartir vers eux, parce qu'on dirait ils sont un peu bruyants maintenant. Non, il faut les recadrer. Okay. Donc c'est que sûr, on te dit à tout à l'heure. Justement. À tout à l'heure. Bon. À tout à l'heure. Ok, passe en face. Thank you.
passe de la base complète. Pareil pour toi, ok? Juste, on est là pour provoquer une situation, l'autre il a le temps de réaction. Il encaisse le coup, il triple, il dit comme on veut. Mais on est là juste pour provoquer une situation. Ils ont tous peur de toi. Yeah.
Papi, talon en fesse. 2, 3, 4. Talon en fesse. 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 Ok? Talon en fesse. Talon en fesse.